Bah, qu'est-ce que tu fais, Léa? Bah, je fais un câlin à mes Sylvanas. Ah, tous tes petits lapins souris. Ils sont tellement doux, tellement mignons. Regardez cette tête. Oh, c'est trop... Alors, avant de les présenter, on va dire bonjour à nos petits amis. Oui, bonjour, tu veux faire un câlin? Oui, ma poupette. Alors, laissez plein de... pouces bleus, partagez et abonnez-vous pour faire agrandir la chaîne. Et aussi, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps. Un gros cœur d'amour à tous les abonnés. Merci. Alors, ça, c'est ce que tu avais déjà. Alors, j'ai un bébé souris garçon, un garçon bébé souris. Voilà, c'est celui que tu avais déjà. Oui. T'aimes bien cette collection. Un bébé lapin fille. Il tient tout seul. C'est bien quand ils tiennent tout seul. Un bébé lapin fille. On les met là. Une madame souris. Une madame souris. Petite madame souris. Tu avais habillé l'autre fois. Du bébé souris. Il y a la fille lapine. Voilà, la petite fille lapine. Ouh, elle s'agrandit la maison. Le garçon là. La maison, elle s'agrandit, la famille plutôt. La maison ne va pas être assez grande. Pour toute la collection. Il y a aussi le papa lapin. Le papa lapin. Il va bientôt falloir acheter la maison. Pour tous les mettre dedans. Et la maman lapin. Et la maman lapin. Et aussi, j'ai quelques accessoires à vous présenter. Oh, c'est ceux qu'on avait déjà présentés. C'était pour montrer la petite famille lapin. Des petites robes. C'était les petites robes de la dernière fois. Et aussi un petit sac. Et le petit sac. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir quoi? On va ouvrir le lit, tout ce qui est pour la chambre. Alors, la chambre. Et aussi... trois pochettes surprises avec des bébés. Alors, on commence par quoi? Quand même par les pochettes. Alors, on attaque. Meilleur pour la fin. On attaque les pochettes. J'ai les petits ciseaux. Toujours faire attention avec les ciseaux. On va découvrir. Alors, j'espère ne pas avoir de double. Non, c'est pas la même collection. Du coup, on peut pas avoir de double. Oh, il est trop mignon. Attends. Nous aussi, on aimerait bien le voir. Qui est-ce? J'ai l'impression qu'on a eu un mystère. Alors, tu le sors, qu'on puisse voir. Un mystère, comment parce ça? Parce que je ne suis pas sûre qu'il est dedans. Montre le petit dépliant. Il a un petit castor. Il est vraiment mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le petit dépliant? Alors, le petit dépliant, il y a toute la collection. Alors, voilà, c'est toute la collection. Oh, alors, voilà. Trop mignon. Alors, voilà, toute la petite... Alors, toi, tu as lequel? Alors, je vais voir. On va regarder. On la met là comme ça et puis on va montrer. On d'abord, voir je vais voir tu as. Lequel, alors. Comment elle s'appelle? On a eu le mystère. C'est pas... Oh, on a de la chance, hein. On a eu le petit castor ici avec la boîte dans le cadeau. Oh, super. Alors, regardez, vas-y. Il est mignon. Il est... Vite, il faut le sortir. Vite, vite, montre-nous, alors, le mystère. Il a trop chaud. Vite. Alors, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que c'est un petit castor. Allez, petit castor, vite, sort. Oh, oh, il est vraiment petit, hein. Mini. Regardez, les amis. Ouais. C'est ce qu'on peut appeler un petit castor. Il est vraiment petit. Ou alors, c'est un franchement, hamster. Alors, je ne sais pas trop. Alors, il y a ce Non, histoire. Moi, je dirais un petit castor. Enfin, oui, je dirais un petit castor. Petit castor. Il est petit, hein. Il est mignon. Oui, il est petit, mignon, mais petit. Non. Oh, il tient tout seul, regarde. Il est mignon. Et là, alors, là, dans la petite boîte. Alors, il y a que une contient boîte cadeau. La petite boîte, la petite boîte cadeau. Il n'y a rien dedans, mais regardez, en fait, c'est pour qui il se met dedans? Oh non, je crois que c'est un peu trop. C'est pour mettre les petits accessoires. Tu montres la boîte? On va montrer la jolie boîte rose. Non, ça ne sert pas de chapeau, je pense pas. C'est sa petite maison. Bah oui, regardez, il y avait le dépliant. On voit qu'il y a... il est sur la tête. Ah bah voilà. On va le montrer avec la petite boîte. Tu me donnes alors, la petite boîte? Alors, je le mets... Bon, ça tient pas. Alors, on va le poser le couvercle à côté. Oh, il tient son petit poisson. Oh, regardez les amis, c'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Alors, on va la poser là. Alors, vas-y. Et le couvercle avec le petit cœur, le petit ruban rose. J'allais dire le petit cœur rose. Le petit ruban rose. On le pose à côté. Alors, on y va. Deuxième pochette. J'espère que c'est pas un double. Pas le même. Pas le même. C'est pas le même. Non. Oh, super. Il a l'air d'être plus grand. C'est un ourson. Ah, il a l'air d'être plus grand. Super. Alors, montre-nous. Alors, des fois que j'ai pas compris, Léa a dit « ourson ». Mais il est plus grand, c'est bien. Parce que lui, c'est vraiment un petit bébé. Et lui,
un enfant. Oh, ah oui, il fait le double. Oh, il est hâte. Et c'est tout doux. C'est vraiment adorable. Regardez, c'est vraiment adorable. Avec son petit pyjama. C'est un petit pyjama, je pense. Sa petite cote. Il est vraiment mignon. Et s'il allait jouer avec la petite souris? Comment il s'appelle, le petit ourson? Je crois qu'ils n'ont pas de nom. Regarde, ils tiennent debout. C'est adorable. Je crois qu'ils n'ont pas de nom. Hein. Ils n'ont pas de nom. C'est à nous de les appeler comme on veut. Ah bah voilà. Ourson et oursonne. Et leur petit oursiné. Oursiné. Attendez, j'ouvre l'accessoire de l'ourson. Alors, c'est dommage que les... Là, on ne puisse pas les mettre debout. C'est dommage. Alors, ouh, ça commence à faire une grande famille. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais voir sur le petit mode d'emploi. Oh, c'est un mini-jeu pour les petits bébés. Ah, en plus, on a un petit jeu dedans. Le but, c'est pour faire, en fait, pour mettre les anneaux. Ils lancent et ils peuvent mettre les anneaux. Ah, ben voilà, on a un 200... Oh non, bon, c'est pas grave, on le ramassera, ma poupette. Donc, en fait, regardez, il y avait un anneau dessus. Et il y avait le petit ourson qui tenait son petit anneau. Voilà, regardez. Et en plus, c'est une petite tête d'ourson. Oh, ça y est, alors Léa, maintenant on va plus la, on va plus pouvoir la tenir là. Alors. Mignon. Oh, petite anneau. Alors, l'autre petite pochette, ma poupette. Alors, la dernière, du coup, oula, pardon. Ah, j'ai déjà eu du mal à la faire tenir et pouf, tu ah, les as fait tomber. C'est pas la même. Oh, c'est pas la même. Super, on a de la chance. Oh, j'adore son petit vêtement. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Bah, ils ont pas de nom en fait. Ah, oui, c'est vrai. Alors, donne un nom, donne un prénom. Alors, attendez, j'ai vu des autocollants. Il y a un autocollant là. Est-ce qu'il y a un autocollant là? Oui. Dans tous? Voilà, là, c'est dans tous, il y a un autocollant. Là, c'est la pochette. C'est la pochette? Et là? Non, il n'y a pas d'autocollant. C'est que dans celle-là. Alors? Alors, c'est un petit lapin. Alors, ici. Tu le sors? Oh, mais on dirait que c'est. Ne me dis pas que c'est le... Oula, heureusement qu'il n'est pas de la même couleur. On a non, l'impression non, c'est un autre. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. En fait, c'est pas la même collection. Du coup, ça peut pas être les mêmes. Alors, on va découvrir. Ils sont frères et sœurs lapins. Voilà. Bon, bah, ou alors, c'est une petite fille. On n'a pas trop le choix. Hein. C'est des frères et sœurs. Hop là, j'essaye de le faire tenir. Elle ne veut pas. Ah. Non, je veux pas tenir. Si, je veux tenir. Alors, regarde la famille qui s'agrandit. Regarde. Tous ceux qui tiennent debout, c'est pratique. Hop. Alors, montre-moi, montre-nous plutôt. Tu peux montrer le petit lapin. Alors, je vous montre. Et moi, je vais montrer. On dirait une petite lapine, parce que c'est un vêtement de fille. Oui, du coup, maintenant, j'ai deux lapines. Deux petites lapines. Très jolies. Alors, je l'ai installée. Alors, je la mets là, regarde. Hop, toute la petite famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Alors, tu peux me donner ça, le petit lapin? Il y a un jeu? Oui, c'est un petit jeu. Oh, c'est trop mignon. Alors, tu le colles. Alors. Et c'est quoi? C'est quoi comme jeu? C'est un petit chapeau pointu? Le jeu du chapeau pointu, imagine. Non, c'est pas un jeu, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Alors, le jeu consiste en quoi? Lancez-le. Ah non, c'est pas un accessoire. C'est que non un accessoire. Là, elle peut faire de la musique. Et là, c'est son chapeau. Donc, regardez. Là. Elle fait de la musique. Oui. Avec son chapeau. Ah, d'accord. Bah, c'est pour faire la fête. C'est son anniversaire. Voilà, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, lapine. Oh, il y avait un piano. Oh, bah, ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. La famille n'a pas fini de s'agrandir. Alors, moi, je vais ouvrir la chambre. Oui. Oula, il n'y a pas la même papier. Alors, je vais ouvrir la chambre, moi. Hop, on pousse. Je vais faire n'importe voilà quoi. Fais attention avec les ciseaux, ma puce. Par contre, c'est moi qui le monte. Hein. Ah, mais il n'y a pas de souci. Je te laisse faire. Alors, je crois qu'il est déjà monté. Oui, mais moi, j'installe la chambre. Alors. Je te laisse installer tout, ma poupette. Waouh, il y a beaucoup de choses. Wouh, plein de lits, plein d'accessoires. Alors, moi, je veux montrer déjà le lit. C'est des lits superposés. Oui. Je vais te laisser faire. Je montre le petit lit. Ah, j'avais oublié des accessoires. Ils sont plus grands que ce que je pensais, c'est bien. Oui, moi aussi. Ah, le petit lit, il y a quoi? Et la petite chaise? Tu peux me montrer la petite chaise? C'est tout mignon, regarde. Voilà, la petite chaise. Le petit en bois, on dirait. La petite chaise. Tout le monde va s'amuser. Très mignon. Et là, c'est la petite, une genre de petite commode, petite table commode. Comme on veut. C'est pour les bébés, pour changer le bébé. Non, pas forcément. Non. Aussi, il y a des gens qui peuvent
Alors, je vais te laisser installer tes petits accessoires. Alors là, c'est la collection, tu peux la montrer. Oui, gigantesque. Oh oui, oh là là. De toute façon, Sylvania, c'est une grande collection. Hein. Oh là là, oui, effectivement. Hein. Oh là. Oh là là. Le pliant est... Tout derrière, maman, tu vas voir. Alors, attends. Alors, je vous montre déjà. Oh, hop, allez, voilà, le grand. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. J'essaye de tout vous montrer. Oui, c'est grand, c'est alors, grand. Qui va dormir en haut, qui va dormir en bas? C'est très grand, maman, la collection. Qui dort en haut, la fille ou le garçon? Bah, tu la mets... fille. Tu mets la fille en haut. Voilà, et voilà. Bien sûr, il y a des accessoires, il y a des voitures, il y a plein de choses, il y a du mobilier, il y a... Oh là 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 là, il y a plein de choses. Oui. Voilà, je monte de près. Je mets voilà. Les couvertures. Ah, il y a même une table avec les chaises, il y a plein de choses. D'ailleurs, on avait aperçu au magasin la grande maison de Sylvania, l'immense maison. Alors, hop. Oh, c'est joli, des lits superposés. Et la petite échelle, bien sûr, alors, pour ne pas tomber. Alors. Ben, sur le côté où il y a un trou, je pense. Oui, je pense. Alors, voilà. Tiens ma poupette, regarde le dessin. Tu vois? D'accord. Comme ça. Et voilà. Le lit est fait. Oula. Alors là, oui, si tu remontes, si tu l'enlèves, ça se déboîte. Il faut faire attention. Voilà, très joli. Attention, hein. Alors, voilà, le petit lit monté. Hop, moi, je voilà. Fais tout ce qui est décoration. Alors, vous avez la petite couette, le petit drap, tout doux. Ah, c'est matelassé. Oui, oui. Ah, c'est très joli, hein. Je vais prendre la photo. Voilà, les amis. Je vais prendre la photo. Allez, tiens ma poupette. Je vais prendre la photo pour faire... Pour les installer? Oui, parce que je trouve que c'est mignon la façon dont ils ont installé. Ça sent bon, hein, ma poupette. Oui, parce qu'on a fait cuire des cookies qu'on a fait. Alors, on ne sait pas. Ah, oh, j'ai entendu la petite cloche. Oh. Alors, je ne sais pas s'ils vont être ici. Je te laisse continuer d'ouvrir, ma poupette. Oui, et je vais voir si tu les peux cookies... me ramener une assiette pour ben, que si ça a fonctionné, je ne sais pas. Oui, on ne sait pas, les amis. Alors, moi, je suis en train d'ouvrir les petits livres. Et je vais aussi coller les autocollants pour faire un livre avec les thèmes. On va regarder si c'est... Ah, bon. On va les mettre dans une assiette. Oui. C'est pas grave. Ça sent bon. On va montrer aux petits amis comme oui. ça. Je vais leur attention, montrer. Maman, c'est très chaud. Oui, oui, je vais leur montrer comme ça. Puis je vais les mettre sur une assiette. Alors voilà, les amis. Les cookies, voilà, que je viens de sortir. Puis voilà, maman. On va essayer de les mettre sur une assiette. Tiens, ma poupette. Waouh. Alors, on va essayer de les mettre sur une assiette. Même si c'est un peu chaud. Je suis en train de faire les petits livres. Tu fais les livres? Livres. Les livres? Oui. Où c'est encore bien, 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 bien chaud. Ah! On va mettre quelques-uns sur l'assiette. Oui. Alors les amis, je... Il aura fallu les laisser refroidir un petit peu avant d'y toucher. Alors les amis, je suis en train de me concentrer parce que j'ai pas envie de rater le petit livre. Voilà. Et le dernier livre. Waouh, celui-là est très beau en bleu. Alors maman aussi est concentrée. Comment, ma poupette? Maman aussi est concentrée. Oui, je suis concentrée. Oh, c'est pas en des, forme. C'est pas des cookies de cuisinier, bien sûr. Je ne suis pas une grande experte
repâtisserie. C'est pas aussi la forme des cookies, mais voilà. C'est le goût. Alors les amis, voilà, j'en ai mis sur une assiette. Alors, faut attendre un petit peu ma poupette parce que c'est encore un peu chaud. Je ne voudrais pas que tu te brûles. On va les poser juste là. Et au milieu de la vidéo, on essaiera d'en manger. Si tu veux, ma poupette. Mais il faut bien faire attention que ce soit tiède. Et même à la tiède. Fin, si on a un petit peu le temps, pour faire une petite histoire avec tout ça. Alors, tu fais une petite histoire avec les lapins. C'est bon, t'as fini de les monter? C'est bon? Presque. Alors, il y a beaucoup de petits livres. Il n'y a pas de bibliothèque pourtant. C'est pour la petite commode? Oui. Ah, d'accord. En tout cas, les cookies sentent bon. Après, est-ce que le goût y est? C'est Léa qui va nous le dire. Quand elle aura fini de monter. Je pense que ça va être bon. Alors, on pousse la boîte, on pousse tout. Alors, voilà. Je vais installer. Et moi, je veux voir l'installation de tes petits lapins. Après, tu installes comme tu veux. Hein. Non, c'est comme ça, d'accord. Je n'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Là, ça fait une plus grande commode. Voilà, là, c'est mieux. Donc, moi, je vais faire exactement pareil. Moi, alors, nous, on est contents. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'ouverture de Sylvania. Surtout toi, Léa. T'adores Sylvania. Et puis vous aussi, les petits amis, on a vu que vous aimez bien aussi cette collection. Sylvania. Oui. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. On a l'impression que c'est immense. Bah, et tous les ans, il y a des nouvelles choses qui sortent. Et c'est vraiment mignon. Hein. Il y a la famille de petits lapins, les ours. Moi, je la veux. C'est la famille des lapins que je veux. Il y a les ours. J'ai les lapins gris. J'aimerais bien voir les lapins blancs. Les lapins blancs? Oui. Oh, sûrement. De toute façon, au fur et à mesure, hein, la collection va s'agrandir. Et tu les auras sûrement. Hop. Alors, tu y arrives? Oui. Donc, tu veux mettre qui dans le lit? Tu veux mettre qui dans le lit? Allez. Voilà la petite fille. Ah, c'est un peu grand, c'est pour les petits. C'est pour les petits, ma poupette. Je vais les mettre après. C'est des lits pour les petits, parce que les grands, ils sont trop grands pour aller dans le lit. Là, c'est pas encore fini, du coup, je l'ai mis après. Ah, des stylos, des petits stylos. Oh, ça sent très très bon. Bon, je pense qu'on finira d'installer les stylos après. Ce que je veux, c'est vraiment montrer la petite... c'est une petite bibliothèque, commode bibliothèque, on va appeler ça comme ça. C'est parce qu'il y a un petit pot à crayons, c'est pour ça que j'ai mis les crayons. Ah, donc là, il y a le petit lit avec, voilà. Et après, on va mettre la petite bibliothèque. Pardon, j'ai oublié un autocollant dessus. Il y a la map monde. Alors, Léa veut vraiment tout vous poser pour que vous voyez vraiment tout. La petite map monde. Et tout. Super. Montre-moi la map monde. Alors. Alors, Léa, où veux-tu partir? Alors, dis-moi. Au Japon, tac, ça y est, on est parti au Japon. T'imagines si ça se passait comme ça? Hop, tiens ma poupette. Allez hop, on veut partir là, on claque des doigts et on part dans le pays, ça serait super. Ah ouais. Ah moi j'adorerais, surtout qu'on aime bien voyager. Et moi j'aime pas l'avion, du coup là ça serait. Enfin possible. Pour l'instant c'est pas possible, mais faut voyager en imagination. Oui. Avec ton imagination. Et après ça sera en vrai. Alors, tu nous montes, moi je suis impatiente. J'ai presque fini. Ouh, c'est long, je veux voir. Tourne-le, qu'on puisse voir. Et tu mets la petite chaise à côté, alors. Alors, attendez. Il faut mettre le petit set, bien sûr. Voilà le petit set. Voilà, alors tu le tournes, qu'on puisse voir. Puis, comme ça, on va mettre la petite chaise à côté, qu'on puisse voir. Voilà, rapproche-le. Voilà, parfait. Et la petite chaise, oh, impeccable. Et le petit lit, alors. J'ai essayé. Non, c'est trop petit. Non, c'est pour les petits, ma puce. Eh ben non. Oui, moi, je trouve que c'est mieux pour les petits. Regarde, tu mets le garçon et la fille. Regarde, le petit l'ourson, il oursonne. D'accord. Regarde, les petits. Ou alors les petits comme ça, une petite. Ceux-là, ils sont allongés, ce sera plus pratique. Ah oui. Ceux-là, ils sont assis. Ils peuvent tenir assis, on les laisse là. Alors, le garçon pour le garçon et la fille pour la fille. Enfin, bref, il n'y a pas... Et c'est tous les deux des garçons. Oh, ben, c'est pas grave, alors. C'est pas grave. Il doit aimer le rose. Il aime le rose. Ouais, alors, regarde, c'est parfait. Bah oui. Elle est en extase devant ses petits lapins, ses petits oursons. Regardez,
Je monte et je vais me coucher. Et on tourne le lit pour qu'il aille se coucher. Alors, on met le petit garçon. C'est mignon le matin. Alors, on va le mettre. Alors, je remets le jouet et puis les autres petits. Moi, je remonte tes autres petits lapins en attendant que tu installes tout. Regarde, la famille lapin. Et la madame souris. Madame souris. Hop là, toute la famille. Et moi, il y a la petite fille. Oui, mais j'avais pas assez de doigts. Et ben moi, en attendant, je vais la poser sur la chaise. Voilà, exact, ma poupette. Alors, tu veux goûter les cookies avant qu'on se dise au revoir? Oui, mais d'abord, je vous montre tout. Alors, je te donne. Alors, regardez. Ouh, ma tonde. Alors, ça y est, je pense qu'ils ont refroidi. Oui. Dis-moi ce que t'en penses. C'est lui. Alors, je te donne. Pour t'essuyer les mains, merci. Dis-moi ce que t'en penses. Ego. Alors, est-ce qu'ils sont bons? Non, non. Voilà, bah, ça répond à ma question. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait plein de gros bisous. Et portez-vous bien, surtout, c'est le plus important. Et encore merci pour tous les abonnés. Plein de cœur, cœur d'amour. Mmh. Au revoir. Au revoir. Bisous. Bisous. Alors, au revoir et sur une prochaine vidéo. Au revoir les amis.